Nous sommes là pour vous. Nous sommes les créateurs. Nous sommes un collectif d'êtres non physiques, de 12e dimension. Et nous sommes là, à votre service. Vous vivez sur Terre à une époque où bien plus de choses sont possibles que ce ne fut le cas pour les générations précédentes. Ce que vous montrez aujourd'hui, c'est à quel point vous avez évolué. Vous et votre technologie évoluez au même rythme. Ne craignez pas que votre technologie évolue plus vite que vous, car ce ne sera pas le cas. Cela reflétera toujours le chemin parcouru en tant que société et en tant que collectif humain. N'oubliez pas que c'est vous qui créez tout cela et n'ayez pas peur de votre création. Ne craignez pas ce que vous créez pour vous-même, car si vous avez des peurs, alors vous devez les regarder, les examiner, les déconstruire, car elles ne vous servent pas et il n'y a aucune raison pour que vous y accrochiez. Vous n'êtes pas obligé de planifier ce qui vous fait peur, car cela ne joue jamais en votre faveur. Au lieu de cela, ce que vous devez faire à ce stade de l'évolution de votre conscience, c'est lâcher prise. Vous êtes là pour éliminer les couches de ce qui n'est pas vous, afin que vous puissiez profiter du centre de bien-être qui est plus représentatif de qui et de ce que vous êtes vraiment. Recherchez ce que vous souhaitez débarrasser en vous tout au long du mois qui arrive, car les énergies qui arriveront pour cette temporalité auront pour but de vous aider à lâcher prise sur ce qui est encore trop lourd, de ce qui ne vous sert pas et de ce que vous avez pris sur vos épaules, croyant que c'était de votre responsabilité. Vous allez vers une nouvelle année, avec une version plus brillante et plus lumineuse de vous-même, à cause de tout ce que vous aurez éliminé d'ici la fin d'année. Maintenant, vos vies vous aideront à y parvenir en vous montrant ce dont vous devez encore vous débarrasser et vous devez écouter. Vous devez faire attention à ce que votre vie vous montre afin de bénéficier de tout ce qui vous attend. Tout ce qui surgit dans votre conscience et que ne vous sert pas continuera à se faire connaître jusqu'à ce que vous vous en libériez. Vous n'avez pas à vous sentir mal de là où vous vous trouvez en ce moment. Réalisez plutôt que vous êtes censé être en voyage et que vous avez besoin de choses sur lesquelles travailler, des choses à supprimer et des défis à relever afin de ressentir cette croissance qui est très naturelle et nécessaire. Par conséquent, si quelque chose continue à vous arriver encore et encore, riez et dites à l'univers que vous comprenez maintenant et que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour abandonner cette résistance. Lorsque vous supprimerez tout cela, il ne vous restera plus que votre moi d'origine et ce sera tellement plus amusant pour vous de jouer. Le nouveau vous est celui qui a toujours été au-dessus de tout. Vous aurez notre aide, ainsi que celle de tant d'autres qui vous fournissent des énergies adéquates, qui soutiennent tout cela. Et nous sommes très heureux de faire partie de l'équipe de l'humanité. Et nous l'avons toujours été. Nous sommes les créateurs et nous vous aimons.
énormément. Merci.